Et yosh les gars, c'est Riyad, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo Dragon Ball Legends. Les amis, je suis sans mes lunettes et aujourd'hui on est parti pour la deuxième vidéo du jour, qui est un showcase du coup du trio Danger. Oui, c'est historique, c'est historique, je devais marquer le moment sans mes lunettes. C'est le trio Danger qui va être joué du coup dans cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. J'ai un peu peur de... le résultat de ce showcase, j'espère en tout cas qu'il vous plaira dans tous les cas les amis. Et on est parti, nous jouons du coup une team, j'ai envie de vous dire, pas une team méta, mais une team un peu complicado. On joue du coup Bergamo, Basile et Lavender, on est parti du coup pour ce trio, on va le jouer en PVP. J'espère que tout ça vous plaira les amis, on essaie d'être un peu original également et de ne pas jouer du coup tout le temps des unités un peu méta, un peu de Saiyan et tout. On essaie un peu de varier, dites-moi aussi dans l'espace commentaire bien sûr, est-ce que c'est pas mieux des fois quand je joue des teams du coup un peu plus variées, on va dire, plutôt que des Saiyan, des Black Goku et tout. Parce qu'évidemment je pense que vous en avez peut-être un petit peu marre aussi de revoir que les mêmes teams en ladder, et oui, et puis j'ai pas trop envie que mes vidéos soient non plus une sorte de répétition du ladder, vous voyez, j'espère que vous comprenez un peu où je veux en venir, et c'est justement là le but de ce genre de showcase, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez les showcases un peu atypiques de ce genre, et à m'en donner dans cet espace commentaire, à également vous abonner, si vous ne voulez pas manquer les prochains lives, prochaines vidéos, tout ça, vous connaissez la formule, et puis à liker à la fin de cette vidéo, bien sûr, si celle-ci vous a plu. Bref, on est parti pour jouer le trio Danger, je ne vous garantis pas que des victoires, je ne vous garantis pas que du beau jeu, mais je vous garantis en tout cas des beaux moves avec une team pas très ouf contre des teams très ouf. C'était très symbolique, très philosophique, très beau. Allez, partez tout de suite pour le showcase en espérant qu'il vous plaise. C'est parti les amis. Nous sommes contre Drinkwater. Ça c'est incroyable parce que sans plus de ça, c'est un meme que j'utilise beaucoup. On est parti pour cette game. Alors on est contre du coup une team famille de Goku. Franchement, on a un match-up qui est pas écœurant. Mais on n'a pas un match-up qui est incroyable non plus. Pourquoi est-ce qu'il est pas vraiment dégueu? C'est surtout parce que on a, on va dire, quand même le Basile pour pouvoir contrer le Guan, même si on pourrait appeler ça pas contrer normalement, hein, vraiment, vu que le perso il est pas non plus incroyable. Basile, donc également du coup Lavender, hein, qui va être là pour Goku et Sage 3, et surtout Bergamo, qui devrait quand même bien tenir au niveau de la défense. J'espère ne pas avoir tort, j'espère donner ma chance au Clébar, c'est parti. Avec nos Clébars, et ça commence mal. Ça commence très très mal, alors j'ai limite envie déjà de partir sur une cover, et c'est ce qu'on va faire en vrai avec notre ami Bergamo. Alors par contre Bergamo, vous pouvez le constater, hein, 0 dégâts, il est 14 étoiles, vraiment en cover c'est impressionnant au niveau de la défense, le perso tient très très bien, et c'est là toute sa force, hein. Bien sûr ça va être un peu le off tank, on va dire ça, de notre team, et qui va nous servir un peu à limiter la casse, directement la TP, ok, pourquoi pas, ça part directement, hein, sur une TP, sans réfléchir. Un peu risqué parce que du coup on a le Rising Rush qui est droit droit open, hein. Donc on a aucune peine en fait, hein, à Rising Rush, et c'est ça qui va être plutôt cool. Ok, nickel, on arrive à le choper, switch. Pas de switch. On va se faire choper, ça va être compliqué ici, hein, par contre, je vais pas vous mentir. Et là c'est moi qui joue pas très bien. Carte verte. Qui quoi? Oh, il a pas de quoi nous terminer, ok. On a de la chance. On a vraiment de la chance, je sais pas pourquoi il est pas main. Peut-être qu'il s'est fail, hein. Mais il aurait pu nous terminer, hein, ça c'est sûr. On tape attaque direct, je laisse aucune chance de pouvoir combo. Parfait ici, on récupère notre main. Voilà, j'ai laissé un petit peu de temps entre le moment où il a envoyé l'aspect et le moment où je suis arrivé pour lui montrer que j'avais peut-être un moment de vulnérabilité au niveau de la TP, et c'est passé. Par contre Basile ici, qui fait d'excellents dégâts, hein. Par contre c'est excellent ici ce qu'il est en train de caler à Goku et CJ3. Avec en plus la vitesse de pioche. Non, rien à dire ici, Basile. Non, par contre, l'aspé, je pense qu'elle était un peu trop. Ouais. Heureusement qu'il a fait un fail ici, hein, parce que... Ok, l'aspé dans le... Oh. C'est tellement tendu. L'aspé. Oh là 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 là, on a une open ici. Allez, on fonce, on fonce. Allez, le Rising Rush ici, on va utiliser la carte verte, bien sûr. Hein. Vu que la carte verte, on vient d'en utiliser une. Et ça peut être très intéressant, hein, parce que ici, on prend le kill... Et vraiment avec le Rising Rush qui s'est fait, vraiment ça a fait la game, hein, le main de Basile. Et pour le coup on peut vraiment dire que Basile a fait la game grâce à son main. C'est vraiment très très bon. Alors par contre mon gros fail, j'ai mis click à côté, je voulais strike. Un autre ultime qui arrive. Ok. On va se prendre un combo obligatoirement ici, on va pas pouvoir l'esquiver ce combo. Il a plus son main, hein, mais du coup il va faire mal ce combo, il va faire tellement mal. Il va faire tellement mal. Ok, le clash il faut le gagner celui-là. Pas mal. Et ça suffira, ok, let's go. Il a plus de TP, hein, on le rappelle. Donc ici il y a un kill.
Soit c'est Goku SJ3 qui meurt, soit c'est un ultime de malade sur Goku SJ3 LF. Et il va tenter l'ultime sur Goku SJ3 LF. Moi ça me va. Ça va permettre de bien gratter ici. C'est parti. L'ultime par contre qui va faire très très mal hein, de Bergamo. L'ultime de Bergamo qui fait généralement extrêmement mal hein, avec les boosts qu'il a. Comme on peut le voir, vraiment pas mal. Alors c'est pas incroyable non plus, hein, c'est pas choquant. Mais c'est pas mal. Ok, je pense que ça attend. Ok. J'ai voulu esquiver, j'ai le mauvais timing, dommage ici. Oh là là, ce petit fail. Oh, carrément. Ok, ça a assuré carrément à ce point le kill sur Basil. Alors pourtant, bah, je pouvais pas switch. Ok, ok. Elle est pas perdue, mais je pense que ça va être chaud. En tout cas, ça aurait été un beau match, hein, dans tous les cas. Ça, on peut pas dire le contraire. C'est que dans tous les cas, qu'on perde ou qu'on gagne, ça aurait été un formidable match ici. Parce qu'on lui aura donné beaucoup de fil à retordre. Hein. Avec la team des Clébards, il jouait quand même 3 NK7. Et Bergamo là honnêtement Bergamo non. Oh là là, la carte verte qui nous sauve. Mais c'est magique. Oh là là, Bergamo. Oh, c'est incroyable. Ce petit moment de relâchement. Et l'aspect. Oh là là, Bergamo. Let's go. La victoire de Bergamo. C'est magnifique. Ne jamais abandonner dans une game, c'est le principal. Et là ça a été vraiment du coup la meilleure situation pour le prouver. En tout cas, magnifique game de la part du trio Danger. C'est aussi moi qui ai bien joué hein, je vais pas vous mentir. Ça aurait été compliqué quand même les unités. Je vais pas vous vendre du mérite en disant que c'est grâce uniquement à elle. Sauf Bergamo. Bergamo vraiment excellent sur la fin. Bref, très content de cette game, très satisfait. On se retrouve tout de suite pour une prochaine. Mais vraiment ça fait plaisir en tout cas, let's go. Allez, un second match un peu plus tranquille pour nous permettre de souffler un petit coup. Je vais pas vous mentir que c'est une team qui a pas grand sens. On est parti, tout ce qui compte c'est la victoire de notre trio, c'est parti. Nous sommes partis pour ce match-up avec du coup du Rosé LF en plus de ça. Ça me fait mal de voir Rosé LF en plus de ça en face de moi. Moi j'adore avoir Rosé LF, mais pas jouer contre. Allez, on part sur l'aspect ici, hein, bien sûr sur Vegeta. Enfin sur, pardon, Gat, Isamasu. Le petit fail. Ok, je pense qu'il a voulu mettre une carte verte. Non, même pas. Ok, on va prendre un petit combo. Il joue Vegeta LF vert. Alors par contre, le gros problème de Vegeta LF vert... connaissez tous, c'est le lock. On peut très bien se faire lock et puis perdre Basil en quelques secondes. Malgré le fait que le perso date, parce que Basil en défense, c'est pas ça hein, globalement. Alors, petit break sur Rosé. Et puis on a gagné hein, globalement. Pourquoi? Parce que ici, main, on prend le kill, on a une carte verte pour ce safe au cas où il est trop agressif. C'est magique. En tout cas, magnifique ici. La team des Clébards, les gars, c'est tout ce que j'ai à dire. Les Clébards. Le kill sur Rosé LF. LF. Et la carte verte de Vegeta. J'ai à mettre ma verte, en vrai c'est moi qui ai un peu de choc au move. Et puis Vegeta, bon il va galérer hein, je vais pas vous mentir. Voilà, sa team elle est pas ouf non plus. Mais ça nous laisse souffler quand même, parce que avant on s'est tapé une vraie grosse team. Là on tape une team un peu plus tranquille. Mais peut-être. Non. Ok, le main après une longue charge de ki. Bon après faut pas chercher non plus à trop comprendre. Allez, on break pas les covers hein, bien sûr. Donc on va break ici. Alors par contre quand même il est bien boosté là, Bergamo à 14 étoiles. C'est quand même quelque chose là. Cover sur Gata. C'est ridicule de voir le trio Danger si fort genre. Après même Basil, hein, regardez, même Basil il galère Zubi, c'est trop. Alors qu'on est quand même sur Gata et Zamasu. C'est trop. Carte verte. Le petit cri de victoire. On refait la même. Ça marche deux fois de suite dans la même vidéo. Vraiment n'hésitez pas à mettre un petit temps d'attente quand vous utilisez un perso justement où vous avez un main qui permet de récupérer les skills ou une carte verte. Parce que dans ce genre de situation vous voyez, ça permet de bait, les gens ne s'y attendent pas quand ils voient que vous avez esquivé mais que vous n'avez toujours pas spammé votre main instant. Dès qu'il y a l'animation du Rising Rush, ils se sentent bah mort en fait. Et puis c'est ce qui se passe ici, j'ai réussi deux fois le caler dans cette game. Enfin en deux games pour le moment, donc bon c'est magnifique. On va se retrouver tout de suite pour un dernier match-up en espérant en avoir un peu plus coriace quand même pour pouvoir vraiment s'amuser avec la team, parce que bon, c'est pas en affrontant ce genre de team non plus, on peut vraiment jouer la team dans de bonnes conditions. Bref, c'est parti les amis. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Hein. Conclure cette vidéo, match-up Saiyan. La Trinité, je propose que la Trinité parte. Ça va pas cut les beaux gosses, parce que là on a vraiment moyen de faire quelque chose. Alors on part du coup sur Basile pour commencer, même si par contre là je suis en train de le regretter fort. Oh, on va regretter fort. Après ce n'est pas la fin de la game, hein, vous l'avez vu. Pour avoir affronté des teams Saiyan, on peut très bien y faire face. Maintenant le problème c'est au niveau de la rotation des types, parce que vraiment ça peut être décisif. Typique, mais ici, on va devoir boost Goku SJ3 obligatoirement, ou alors forcer un switch.
Mais pour qu'il switch, vraiment j'ai envie de donner vraiment une... Ah ouais, bon, en plus de ça il attendait l'aspect. Il aurait fallu un miracle pour qu'il switch. Ok, il attaque direct. Je vais pas switch immédiatement, il va peut-être switch. Il a pas l'air de switch. On met Bergamo. Alors Bergamo c'est pas mal, hein, ça nous booste pas mal. Ok, ça danse pas mal. Ah oui, ok, bon ça danse pas mal et ça attaque direct. Ok, on va essayer de s'en souvenir ça pour la prochaine. Ça danse pas mal, ok. Ok, l'aspect sûrement. Même pas. On va esquiver ici. Après la carte verte. Le main. On va dash avant ici, tempo, le temps qu'il attende. Et on y va. Ça devrait être raisonnable. C'est clairement pas incroyable, hein. Ça galère niveau Trio Danger. Après, j'ai envie de vous dire quand même, on a une grosse Team Saiyan en face de nous. Mais ça galère, hein. Ok. On va attaquer. J'avais décidé le main, hein, comme vous pouvez le voir. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai d'abord décidé d'aller chercher ma carte. Parce que, et oui, les cartes ont la priorité comparée au main. Et puis également, du coup, au mouvement, par exemple, tap attaque, etc. Encore une SP, pourquoi pas. Nakikoa. On esquive. On recule. On esquive pas. Ici, ça va pas le choper, il attaque direct. À son souvenir. Et là, par contre, il devrait switch. C'est pour ça que j'ai switch en sans peur, voilà. Alors il a encore l'esquive, hein. Par contre avec le Goku et CJ3LF, donc à nous de ne pas faire l'erreur et de ne pas aller chercher de Rising Rush en voulant trop vite précipiter les choses. On va aller charger le ki, on avance, on nous tape attaque, on recule, il nous tape attaque pas. Et c'est le Rising Rush, si il switch il mort, ok, de toute façon c'est Number One qui prend. Ça me dérange pas tant que ça que ce soit Number One, c'est un peu dérangeant mais ça me dérange pas tant que ça. Ah, sauf s'il se passe ça. Un gros manque de bol et ça relance. Ouais mais là ça relance plus que... Là je pense qu'il va gagner, hein. Je pense qu'en vrai il a gagné. Ça par contre ça relance beaucoup trop la game, hein. L'aspect. La carte verte bien sûr ici. Et par contre là on est plutôt pas mal. En vrai je vais essayer de l'avoir, hein. Non c'est Goku Namek qui tombe. L'ultime. Non plus. Oh là là il se fait avoir à part rien vraiment. Parce que je pense qu'il s'attendait pas en fait à ce que je single tap. Il aurait esquivé direct, hein. Vu qu'il attaque direct. Rien ne passe et il fait des fails en plus, il se fail de partout. On met Basile et on fait zéro dégâts. Allez les gars, boostez-vous un petit peu. Un peu de volonté. Allez, Bergamo, Basile, Lavender. Un peu de volonté les gars. On veut de la volonté de la part de la team là. Allez, 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 go, 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 go. Voilà. Un petit peu de volonté, c'est ce qu'il faut les amis. C'est ce qu'il nous faut. Un petit peu de volonté de la part de tous ces... De tous ces kleps, comme on les appelle. Parce que là, il n'y a aucune volonté. On met pas de dégâts. Mais il y a moyen. Qui quoi? Cette fois, single tap pour esquiver, vu qu'il se fait bait à chaque fois. On entend le pas de côté, donc on est safe pour une attaque. On va en faire pas mal de dégâts ici, hein. Tranquillement. Je sens qu'il va y avoir une TP, soit sur cette carte, soit sur la prochaine, hein. Sûrement. On va faire en sorte qu'il switch face à nous. Il switchera carrément pas. Ok, pas mal de move étrange. Pourquoi pas les beaux gosses. On va faire la même, hein. Et let's go. Allez, cette fois il faut qu'il passe là au bout d'un moment. Ça fait deux Rising Rush carrément. Et il abandonne. Bah il faut abandonner au bout d'un moment. On a tout donné. Regardez, même le soleil est avec nous. Même le partage est avec nous. Ah c'est bon, j'étais trop dans ma game, moi, ça y est. Hop là, tout est de retour. En tout cas les amis, c'était magnifique, hein, parce que game vraiment correct. On a très bien quand même réussi à se défendre face à sa team. J'ai compris un peu sa manière de jouer et puis on a réussi à l'avoir. Mais c'était quand même compliqué, hein, dans la globalité. Je vais pas vous mentir, la team Trio Danger qui galère beaucoup. Parce que vraiment, c'est pas ouf. C'est une composition qui n'est vraiment pas forte. C'est dommage, mais c'est toujours fun de les sortir. Pourquoi pas pour des moments où vous voulez du coup jouer des teams un peu différentes que d'habitude. Est-ce que ce serait pas mieux même de tester des teams comme ça plutôt que de tout le temps jouer des teams méta et peut-être moins s'amuser? C'est à vous que je pose la question les amis, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ce genre de team vous plaise également, que ce soit la team Saga Dragon Ball, cette team là ou plein d'autres teams, ou si vous préférez évidemment des showcases un peu plus brutaux comme des showcases avec des teams un peu plus méta. Bref, tout l'espace commentaire est dédié à ça, vous pouvez du coup me faire de toute façon un tout vos retours là-dedans. Et puis moi je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée, fin de soirée, tout dépendant du moment où vous regardez cette vidéo. C'était Riyad pour vous servir, j'espère que vous aurez kiffé, vous pouvez toujours vous abonner, partager, liker, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures sur Dragon Ball Legends. Ciao !